Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypnotique Marc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur FIFA 16, non pas pour notre saison en tant que manager de l'Impact de Montréal, mais bien, nous serons en Coupe internationale féminine. Je suis bien content de vous faire, ce sera un épisode par semaine. On va choisir l'une des équipes, c'est une nouveauté dans FIFA, et on va participer à une compétition. Donc on a l'Allemagne, etc., etc., je choisirai le Canada. Ça, il n'y a pas de discussion, on peut choisir plusieurs équipes, vous voyez. On en choisira seulement une de notre côté. Vous voyez les différents groupes qu'on a. Et ce sera, comme je le disais, un épisode par semaine. Donc on est dans le groupe internationale féminine. J'espère que ça vous plaira, cette petite série annexe à celle qu'avec l'Impact de Montréal. On jouera, on peut voir notre équipe, etc., etc. Je ne connais pas beaucoup les joueurs, donc on commencera directement avec notre premier match qui sera contre l'Angleterre au Wembley Stadium. Match de poule, bien sûr, vous vous en doutez. On voit on a trois matchs de poule, donc on en a juste trois, c'est pas si pire. C'est pas si mal, et là on affrontera l'Angleterre, donc c'est parti. On sera considéré comme à domicile. Et voilà, bien sûr, Christine Sinclair, la capitaine, hein, si vous avez acheté votre jeu au Canada. Eh bien, vous avez Christine Sinclair avec Lionel Messi sur la pochette du disque. Moi, de mon côté, je l'ai reçu par FIFA, je l'ai reçu par EA Sports, étant donné que c'est moi qui ai fait la critique pour le site de l'épée légendaire. D'ailleurs, je vous invite à lire la critique, si j'y pense, le lien sera dans la description. Premier match de poule, les amis. Entre bonjour, c'est le Canada de la coupe qui et l'Angleterre. Bonne ambiance déjà, c'est plutôt bon signe. Donc, je suis bien content de vous proposer cette série annexe à FIFA. Vous savez, j'aime bien FIFA. Et surtout, vous faire une série annexe sur la nouveauté. Là. Il y aura un coup franc. Wilkinson, Carmelina Moscato. Moscato le tire tout juste à côté. On va essayer de s'en rendre plus loin, donc demandez-moi pas plus d'épisodes qu'un par semaine, parce que vous savez, on a plusieurs séries sur la chaîne et je ne veux pas ralentir les autres. Mais n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus pour me prouver que vous êtes heureux de ce début de cette nouvelle série sur ma chaîne. Je sais que vous adorez les jeux de sport, je vous le dis, je ne fais pas que seulement des jeux de sport sur ma chaîne, vous le savez. J'aime bien faire autre chose. Mais ça fait bien plaisir de faire du sport ces temps-ci. Beau tacle glissé là. C'est propre ça. Beau jeu repris par Christine Sinclair. À Schmid, à Kyle, à Schmid. Christine Sinclair qui est à l'autre bout qui attendait. On tente un autre jeu, malheureusement ce sera derrière le filet. On est à la 20e minute qui approche à très grands pas. On a tenté la tête du côté du Canada, c'est raté. Joueuse à suivre, comme vous voyez, Christine Sinclair. Scott à Sinclair. Scott. Oh, on a tenté de passer entre les deux défenseuses adverses. Mais c'est raté. Défenseur, défenseuse. Qu'est-ce que je dis là? Si jamais j'utilise des termes au masculin, je m'en excuse, hein, parce que c'est pas habitué d'avoir les femmes dans le jeu. Ne vous inquiétez pas, mesdames, je pense à vous. Et ce sera encore une touche. José Bélanger, Christine Sinclair. Christine Sinclair à Wilkinson. Ouais, oh, on a sorti cependant le ballon ou la ligne de touche.
On a tenté un tir, malheureusement. Les défenseurs anglaises ont réussi à dégager le ballon. Cependant, c'est repris hein, par le Canada en touche. Intercepté cette fois-ci. Oh! Une passe quand même assez forte, mais qui aurait pu donner du résultat. Je ne sais pas si vous remarquerez un changement dans la jouabilité entre les femmes et les hommes. Je vous invite à regarder d'ailleurs ma série en tant que manager de l'Impact de Montréal. Si jamais ça vous intéresse. Le gars sera bien sûr dans la description. Notre gardienne qui s'est avancée pour dégager. Très beau jeu de sa part. Un jeu un petit peu de prévention. Alors les Anglaises qui ont sorti le ballon, ce sera aux Canadiennes de reprendre. Schmid. Très belle passe à Sinclair. Sinclair qui voit sa joueuse. Un beau 1-2 qui fonctionne. Un beau duel en perspective. Oh! Interception de justesse par les Anglaises là, qui gardent le ballon dans leur zone. Ils ne sont pas très stressés. Parce que là, je veux dire que les Canadiennes contre-attaquent assez souvent. Ah, oh, l'interception à la toute fin. Ça aurait été un très beau jeu. La défense anglaise qui est assez solide jusqu'à maintenant. Leur attaque, cependant, laisse un peu à désirer en ce début de match. Ils ne profitent pas beaucoup de leur occasion. Yann qui s'envoie sur le côté, sur l'aile. Le centre vers la surface. Le centre est raté. 2 minutes de temps additionnel nous indique que l'arbitre, ça devrait être terminé dans quelques instants sans doute. Voilà. La mi-temps, c'est toujours 0-0 entre le Canada et l'Angleterre. Changement, Farrah Williams va rentrer à la place de Jade Moore en ce début de deuxième demi. On va pouvoir repartir pour 45 minutes. Kevin Carney. 45 minutes qui risquent d'être assez serrées dans ce match. Bien, on indique que c'est Leon qui a touché le ballon à la fin. Williams. Kevin Carney. 66% les passes, 86% du côté des Angleterres. Le Canada a peut-être tenté plus de choses, c'est peut-être pour ça. McLeod qui envoie à Bélanger. Bélanger qui s'envoie sur l'aile. Reste très près de la ligne là. Un centre! On a accroché. Sinclair a été très proche de Chamberlain. Moscato à Wilkinson. Wilkinson qui envoie devant. Interception cependant. Bélanger qui joue très bien cette deuxième demi sur l'aile. Le changement qui a été demandé. Le centre qui va être un prochain arrêt de jeu pour rentrer. Karim Carney. Voilà, joueuse qui s'entraîne sur le côté. Ça aussi, c'est une nouveauté de FIFA. Lorsqu'on demande à un joueur de se préparer, on la verra apparaître sur le côté, en train de s'échauffer, en train d'être prêt pour faire le changement. Oh! Elle évite les tacles en sautant. Karim Carney. Dommage. Et nous aussi, on va faire un petit changement. On va regarder les joueuses qu'on peut avoir. Je crois que pour le moment ça va être ça. Ouais. On va juste faire un changement. Tony Dugan qui va rentrer à la place de Jodie Taylor. 60% de possession pour l'Angleterre, 40% pour le Canada. Tangeri là qui a rentré à la place de Carl. Oh, il y a hors-jeu. Main ou hors-jeu? J'ai entendu les défenseurs, les commentateurs dire main et ça semble bien être main, je crois. Vas-y, respecte.
qui change de camp. Ici bronze. J'ai tenté un tag glissé, c'est raté cependant. Potter qui reprend. Très beau jeu de Wilkinson. Qui préfère envoyer en touche. Bonne décision de sa part. Williams. Karim Carney. En 1-2. Toujours 0-0 dans ce match. Premier match de la Coupe internationale féminine. Ce sera les plus petites vidéos aussi, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Ce sera seulement un match par vidéo. Il faudrait peut-être revenir en soutien pour l'aider. Ouais, elle a cédé à la pression. Une série un petit peu bonus là que vous allez avoir sur FIFA 16. J'espère, comme je le disais il y a quelques instants, que ça vous plaira. Et que vous allez être très nombreux à regarder cette série. Voilà, frappe. Regardez qui s'emploie sur ce ballon. Et c'est un arrêt important parce qu'il permet à son... Très bel arrêt, mais l'Angleterre qui est toujours là. Un autre bel arrêt de McLeod. Là, c'est la gardienne qui aura le dernier mot sur ce corner. On est à la 83e minute. Le ballon qui est resté dans zone, très beau jeu. Comme viennent le dire les commentateurs, il ne reste que 5 minutes avant. Et le but. On a complètement laissé l'Angleterre tirer. J'ai essayé de dégager, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Une erreur défensivement qui permettra à l'Angleterre de mener 1-0 en fin de match. Harney à la 88e minute. Oh, qu'il fait du bien ce but, Franck, qu'il est important. Oh que oui, moralement, c'est hyper important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Ah non, il n'a pas sorti le ballon, c'est une blague. C'est une blague. L'équipe a décidé de fermer le jeu. Tout le monde recule d'un cran. Fin du match. Victoire de l'Angleterre 1-0. Une défaite décevante pour le Canada. Mais bon, on se retrouvera la semaine prochaine. Nous sommes dans le jeu vrai. On se retrouvera la semaine prochaine. L'Allemagne qui a gagné 4-1 contre la Chine. Le Brésil qui a gagné 2-0 contre l'Italie. La France qui a gagné 3-1 contre l'Australie. Les États-Unis qui ont gagné 1-0. Et la Suède qui a gagné 2-1. Vous voyez que la France a aussi gagné. Du côté de l'Australie, on a perdu. Et c'est contre eux qu'on affrontera lors du prochain épisode. Parce que je vous rappelle qu'on fera qu'un match. Parce que ça va très très rapidement. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus pour le début de cette nouvelle série et on se retrouvera très bientôt. Allez, ciao ciao!